Je m'appelle Harry, je suis informaticien né en France de parents malgaches. J'ai été sélectionné pour faire du volontariat dans la commune de Talat, qui avait besoin d'informaticiens. J'ai donné une formation au personnel administratif pour numériser les registres de la ville, comme les actes de naissance et de décès. Dans les pays développés, tout est à portée de main, mais quand on arrive à Talat à Volonounj, tout est différent. Ici, la plupart des habitants ne connaissent pas l'informatique et n'ont pas d'ordinateur. J'ai aussi donné des cours informatiques à la mairie. J'enseigne les bases pour que les personnes qui viennent à mes cours comprennent un peu comment fonctionnent les ordinateurs et je leur pose des questions pour voir si je peux les aider grâce à l'informatique et améliorer leurs projets. Je m'appelle Arnienne et je suis ingénieure en agroalimentaire spécialisée en valorisation des produits de terroir. Je suis originaire de Madagascar mais j'habite et je travaille en France. Étant volontaire ici à Talat à Volonounj, j'ai commencé à former le personnel de la commune dans l'informatisation de leur gestion comptable. J'ai aussi formé d'autres personnes qui sont les vendeurs ambulants sur le marché et les producteurs de koub. Le koub est un gâteau typique malgache fabriqué traditionnellement ici à Talat à Volonounj. J'ai donc aidé les producteurs à améliorer la visibilité de leurs produits et surtout à chercher des marchés pour qu'ils puissent expédier leurs produits dans tout le pays. J'ai d'abord expliqué l'importance du respect de l'hygiène pendant la fabrication et aussi pendant la vente de leurs produits. Ensuite, je leur ai informé sur l'importance d'être plus visible afin d'attirer beaucoup plus les clients potentiels. Nous avons donc créé une association qui s'appelle Koub et Saucisse de Talat à Volonounj et actuellement, il nous reste juste à finaliser le logo pour faire connaître le produit. Je trouve que les producteurs de Koub ont des idées et ils sont motivés, mais je pense qu'ils ne savent pas comment faire pour les mettre en œuvre. Au total, j'ai aidé 25 producteurs qui sont tous membres de l'association. Ils auront à leur tour le potentiel d'aider les 60 autres producteurs qui ne sont pas encore dans l'association. Je m'appelle Louve, je viens de Lyon, en France. Mon projet consiste au renforcement des relations entre la commune et les entreprises de Talat à Volonounj pour contribuer au développement du marché de Talat. Pour cela, j'ai proposé au maire de créer un événement à l'entrée de la commune afin que les entreprises puissent augmenter leur visibilité et vendre directement leurs produits auprès de la clientèle. Cette action, je l'espère, soutiendra la production originale de Talat à Volonounj et sera une source de fierté pour la communauté. Les moments forts de mon expérience ont été la rencontre avec tous les acteurs de la commune de Talat à Volonounj et celle avec tous les entrepreneurs. Ça m'a permis de tisser des liens et de créer un réseau pour faire le suivi. Actuellement, il y a beaucoup d'organisations de la diaspora qui favorisent la création de start-up à Madagascar. Vous savez, au début, quand je suis arrivée à Talat à Volonounj, je me demandais si les habitants allaient être réceptifs à toutes mes suggestions. Mais finalement, depuis que je suis ici, je constate que c'est surtout la motivation de toutes ces personnes qui me permet d'aller de l'avant et de concrétiser le développement local avec eux. Moi, tout seul, je n'ai pas l'objectif de changer Madagascar. Je fais ma part à Talat. Chacun à notre échelle, nous contribuons au développement du pays et tous ensemble, nous faisons en sorte que Madagascar avance.